Bonjour. Bonjour. J'ai oublié. Vraiment là d'abord en avant. C'est pour lait d'amande au chocolat. Ah, ok. Bon. Fait que là, on s'en allait fouiller au quartier. Puis c'est vrai, je regardais son nom, puis t'as raison, ça ressemblait pas mal à son nom. Ouais. Humain. Awesome. Je suis pas parti pas en tout vers la bonne direction. Hein. En fait, c'était juste pour être sûr qu'il y avait rien autour. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que j'étais pas mal où est-ce que j'étais censé être, mais en tout cas. C'est bien moi de m'arranger pour faire comme tout un méga détour pour rien. Je regarde encore ailleurs. Ça, je me disais, vas-tu me voir? On va boire un petit peu d'eau en attendant, parce qu'on a perdu un peu de vie en tombant trop haut. Esprit soit loué, quelqu'un a enfin refroidi Shelby Cross. On va prendre le temps pour prendre un petit peu de trucs. Ben oui. Hein? Okay. Je pensais qu'il allait avancer plus loin. J'étais comme non, non. Wiggly n'était pas commode, mais Maximo, c'est pire. Bon, au moins, c'est pas aussi pire que Maximo, faut croire. Ouais, ouais. Un truc positif pour nous autres. Ouais, le cheval en face, je sais pas. Mais là, tu l'as fait tourner pour qu'elle regarde vers ici, ouais, c'est ça, c'est comme... Road. Regarde dans cette salle de bain-là, je pense maintenant, en plus, aussi. Ah. Est-ce qu'on va s'y prendre? Je pourrais assommer maintenant, je pense, des gens. Mais ce serait un peu bizarre de les assommer. Mais ça, on va les assommer comme les filles, je crois, qui travaillent ici. Un petit peu. On sait faire du son pour les attirer ailleurs, mais... Ça risque de se revirer contre moi plus qu'autre chose. Son jean. Ça a même pas attiré la fille, finalement. Wow, rude. Donc, il y aurait toujours l'option de peut-être emmener un baril dehors, puis grimper à place. Ah, oh, ce serait une idée, oui. Non, 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 non. J'ai pas fait plein de bruit. Même qu'on a l'air drôle en jumpant avec ça. Je sais pas si ça va être assez haut pour nous permettre de sauter quand même là, mais... Si on sait ça. Faudrait que j'aille comme une coche de plus. Faudrait que j'en aille en chercher un autre. Tu disais quelque chose, mais... Je pouvais pas voir. Il y en a un qui s'en va. Probablement qu'on était noisy. Non, je pense qu'il commençait à dire quelque chose avant que. Ok. Il y a un autre baril ici. Je peux-tu les mettre un sur l'autre? Pas vraiment. Hey, hey, hey.
Nice! Mais là, il y a quelqu'un dans cette pièce-là. Hein? Chut! Il y en a même deux. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien fait. Puis comment ça se fait qu'il savait que j'étais là en plus? Pogne les box, puis va sur le toit, on peut-tu? Je m'excuse, pogne pas les box. Jump sur les box à côté de nous autres, puis va sur le toit. Puis pourquoi tu suggères sur le toit? Dommage. On pourrait regarder s'il y a un balcon ici, ouais. On n'a pas. Et voilà. Et un lounge. On dira peut-être pas tout ce qu'ils disent ici, pardon. Ils m'ont spoté. Il y aurait que je pourrais peut-être sauter direct dans la fenêtre puis la péter genre en sautant dedans, mais ça va faire du bruit. Ouais. J'imagine que je pourrais toujours peut-être redescendre tout de suite après, puis. Ou sauter sur le toit à la place. Puis apparemment, il y a un des paris qui a disparu, puis l'autre, il tient quand même dans les airs. Wow! Ça peut attirer personne? Non. Quel est dans mon bureau si eux ils patrouillent là? Ok, on avait comme une fenêtre sur une des places. Ici. Wow. Qui était pas la chambre d'elle qu'on venait investiguer. Placer plus rapidement quand il y a du vent. Je suis pleine. Ça sent quelque chose de weird? C'était proche, ça, c'était proche. En effet. Pourquoi c'est ça? C'était quoi qu'il y avait dedans? Ah, l'omelette. C'est même pas ça que je fouille non plus. C'est dans mon chest. Mais arrête de venir vers ici, là. T'es censé d'aller patrouiller plus loin, là. Wesh. Wesh. T'as ouvert la porte, ça veut dire que c'est free estate. Ouais, c'est ça. Ah, on a une note ici. On détient ta Cecilia. Viens au massif de l'éléphant. Apporte de l'argent. Prends tout ce que tu as. Massif de l'éléphant. A ransom note. Ruth took Cecilia. Used her as bait. Elephant spine. Best check the place out. Chemin. Ça, on piche ça aussi. Ça. J'ai déjà fouillé là. Voilà. We're gone. Something. Everything is done. Oh, j'ai failli vous tousser d'aplomb dans les oreilles. Parce que mon affaire de mute avait pas marché. Oh! Bon.
Vous avez posé ta trash sur Jane. Pas malheureusement, je t'ai tout donné quand même. Moi, c'est correct. Ah non. On se bat pas, là. Je sais pas qu'est-ce qui commence encore, mais. Wesh. Deux premières racines. Je sais où sont deux racines. La fosse d'abord. Il y a une très ancienne magie là-dessous. La racine est là. Le propriétaire est chargé de la garder. L'autre est cachée là où Ruth se prétend chez elle, à Ulcère. Je parie que si tu suis ce médaillon, tu sauras où. Oh, le pourceau. Ça dit trouver la racine sous la fosse puis chercher des réponses au massif de l'éléphant. Massif qui est plus mais, proche ou on sort en ville en premier? Ulcère, on sait déjà c'était où est-ce qu'était Ruth, on sait déjà ce que c'était, mais c'était pas Ulcère. C'est vrai qu'on pourrait aller vendre des affaires un peu de là-bas. On va pas tout vendre là, il y a juste un magasin général, là, mais au moins on va vendre la camelotte. Ouais, ouais. Ça fait du trash. Mm-hmm. Vous avez oublié quelque chose d'important dans une vie antérieure? Votre ancien corps est peut-être encore dans les parages. Essayez de recruter les héros précédents pour récupérer du cash, des marchandises et des têtes de Nîmes. Fait qu'on peut vraiment les collectionner, les têtes d'Alem, si c'est ça. On dirait. J'en ai vendu. Ça non. C'est vraiment une façon de se faire du cash. Je m'en allais y acheter des trucs de crochet, mais j'en ai 11 sur moi. Fait que j'en ai déjà un de trop sur moi. Ah oh? Je m'excuse. J'ai essayé de remarquer que j'avais un intrus dans ma chambre, j'en voyais. D'accord. Et on va aller à la fosse en premier. C'est comme un peu plus le secondaire de la quête. Ou je sais pas. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est vraiment secondaire en fait. Si on peut savoir un peu plus la suite seulement suivant l'indice de Cecilia, les deux se suivent pas mal en fait. From the pit, the crack of a revolver, a man hollers out, agony in it, then goes quiet. D'accord. Bonjour. Bonjour. Yvan Tasfoctor. Voilà une nouvelle connaissance. Ouais? Yep. Un groin. Quand la fosse sera ouverte, je paierai sur toi. Par les esprits, tu sais parler. Vous avez pas vu les nouvelles, les dernières nouvelles? Apparemment non. Perdu ton chemin, hein? Par les esprits, est-ce que tu sais lire? J'avais-tu mis ça, hein? Mais j'en ai un. Ça en pierre de la fosse. À moins que c'est un spécifique pour ça. On dirait que c'est un spécifique pour ça. Tu comprends? C'est toi qui l'as? Une gâchette. Pas vraiment long. Oh!
Oh, toi, ça doit être l'heure. Ok. Demandez où se trouve la racine, ou c'est tout pour l'instant. Demandez où se trouve la racine. Mm-hmm. La fosse a été construite dessus, il y a longtemps, pour son pouvoir. J'ai un seau en pierre, c'est la clé pour entrer, mais ça me manque de ne plus voir de la souffrance. Il n'y a pas de combat dans la fosse en ce moment. Un combat spécial, tout de suite. Je veux voir de la douleur. Bats-toi dans la fosse et je te dirai, d'accord? Mon doigt a été... Fait qu'on est entré dans la fosse, le soigner pour la pierre en... le seau en pierre, ou c'est tout. On a besoin de notre cash, faut que ça. On rentre dedans. Bon, moi, je veux de la souffrance. S'en aller que tu vas rester ou? J'ai pas beaucoup de balles. Ok. Ah, ok. Alors, quoi que j'en ai plus que moi. Ah, ça nous donnait des points de réputation, je suis étonnée. Ou c'est des hors la loi qu'on tuait, j'imagine. En le placement de la dernière racine. Je sais où est la dernière racine. À la grotte de Hostel. Il paraît que c'est plein de. Pire de Root. On porte des munitions. Joel pour ça. On a vu un groin, on en a vu assez. Wow. Je cherche des embrouilles, je dégaine. Ça veut dire qu'on s'en tout? Apparemment. Oui, j'aurais pu manger juste les corps pour me healer, ça. C'est vrai. Pas encore habitué d'être, pas encore habitué d'être un mangeur de chair pour se healer. Ouais, c'est ça. Mais il y avait des barils d'eau dans le bleu wolf, ok. T'as vu ta souffrance, là. Tu me donnes le saut, maintenant? Ouais, il y a quelqu'un ici. Qu'on peut engager. C'est juste un main normal encore. Mm-hmm. Eh ben... Tu peux prendre les affaires devant toi, là? Juste les clous, apparemment. Ok. Un pur combat. J'ai presque ressenti quelque chose. Wow. Tiens, voilà le saut en pierre. Fais vite, mes quartiers. Dessous la racine. On compte sur toi. C'est vraiment pas le choc le début, mais en tout cas. On compte sur toi pour réussir. La souffrance est trop grande. Ok. Je vais demander ce qu'il veut dire par « on » ou c'est tout pour l'instant. On lui demande. Tu le sauras, mais pas maintenant. Pas. J'ai de nouveaux instruments de douleur à essayer. Une bonne chose de couper racine, finalement. Avec les gens de commentaires qu'il a fait venir. Je pense que oui, mais c'est genre peut-être que lui est comme influencé par la racine. Peut-être. On va mettre ce saut-là sur elle aussi. Séjour des zombies. Journal en cuir marron, volume 1. La couverture est craquelée par le temps. Les pages s'effriteraient presque quand on le touche. Le texte est difficile à lire, anguleux, avec une sténographie dont seul l'auteur connaît le sens. Un mot revient sans cesse, souffrance. Ah,
Ma petite montre, je t'avais pas vu disparaître. Désolée, je peux pas vraiment me mettre à mute à ce moment-ci. Tes mains sont occupées. T'es parti où, Jane? En arrière pour aller faire un body stab. Wow, c'est ce qui fait du dommage, c'est tellement bobo. En effet. Ah, c'est vrai, je l'ai assez dans le chemin. Il y en a un autre qui s'en vient tranquillement, je pense. On a le temps de prier un peu. On va se faire avoir, on va le tuer tout de suite. Déjà? Tu pourrais y mettre la tête de Nim, le silver aussi dedans. Bon. C'est un seau d'eau. Et pourquoi je dirais un cocherie quand il n'y a rien dedans? Au crochet en plus. Bonne question. Oh, plein de journal. Journal en cuir marron, volume 4. Tout a été écrit. Tout a été écrit avec tant de colère et de frustration que c'est presque impossible à lire. Une autre phrase se répète encore et encore. Il m'en faut plus. Encore. Plus loin, il y a des pages couvertes de sang. Depuis combien de temps cela dure-t-il? volume 5. Il est presque 9. L'écriture est beaucoup plus nette. Le rituel plus abouti. Un peu d'amusement pour tuer le temps. Les schémas sont aussi plus détaillés. Une silhouette s'attarde longtemps après avoir fermé le livre. Des griffes, des crocs et une irrésistible envie de tuer. Mais les pages sont propres, attendant toujours que la bête sorte à nouveau. Ouais, il est peut-être comme les pigments, ça, affecté comme les pigments. Maybe. Lui en haut. Parce qu'ils sont pas mal tout, genre, tout le temps. D'avoir un livre, là, pourtant. Pas deux. On dirait les divagations d'un esprit déséquilibré, des phrases incomplètes, des mots rayés, d'étranges gribouillis de corps démembrés. Mais au fil du temps, les pensées semblent se concentrer. Des notes sur un rituel, des runes découvertes dans les ruines sous la fosse et des croquis de la statue appelée Nim. Quelque chose pour passer le temps. On a le droit ici. Le papier est taché de sang. On sent l'excitation dans les mots. Une étincelle qui avait disparu depuis des années. Et des croquis. Des runes, des monstres qu'elles ont invoqués. Et des cadavres qu'elles ont laissés. N'importe quoi pour obtenir une réaction. Fait qu'on est rendu 1 à 5, je pense. Ouais. Peux-tu faire quelque chose avec ça? Les porter. La la la! J'ai même pas vu la verveine, ça va bien?
Moi, vu que j'ai déjà acheté le physique que je voulais, je vais avoir moins d'argent maintenant, mais... On en a plus quand même. Ouais, mais je me demande si c'est quasiment pas mieux de laisser les choses en arrière pour le prochain personnage. Faut qu'on réussisse quand même à en gagner pour autre chose, j'imagine. Puis on va récupérer les guns qu'on a, puis... Je regardais la statue. Ça a l'air d'être une statue de Nîmes, justement, parce que ça ressemble aux têtes qu'on a. Oh! Non, tu trouves pas? Peut-être un peu. Oh. Brûler la racine sur la fosse. On fait ça facilement? Être proche, ça n'a pas l'air de nous faire rien au moins. Au moins. Manqué ça. Une chance, tu l'as vu? Moi, c'est ça. Fait qu'il y avait une affaire de pétrole. Il me semble qu'il y avait peut-être une affaire de TNT. Non, on ne savait pas. Je pense pas que mettre le pétrole dans l'eau a vraiment marché. C'est peut-être de l'eau magique, tu sais. Ouais. C'est juste envoyer un molotov, j'imagine. Attention, Jane. Va-t'en pas dans l'huile, là. C'est là que je veux lancer l'affaire, là. Fire burns. Spits. Ah ouais! Décolle de là. This taproot's done for, but there's more left. J'ai un petit problème et j'aurais besoin de tes muscles. Retrouve-moi au campement de cachette de Joe. Tâche de faire vite. Je veux pas ça. Ok. Mais arrête d'aller retourner dans le feu, Jane! Nope. Moi, je voulais attendre qu'il parte pour voir si j'avais quelque chose à looter, mais. Pas là vraiment vouloir partir. Bon, finalement, il affecte plus vraiment le feu. Oh. Bon, fait qu'on va aller. aider Joe. On peut-tu aller voir souffrance avant pour voir? On pourrait voir. Je suis curieuse de voir si ça a changé de quoi pour lui. Pour ça, mon vieil ami, ils ne t'ont pas encore fait cuire. Vous voyez que je suis content. Attends, je viens de réaliser. Un cochon qui parle. Je crois que j'ai une bonne blague. À écouter ou ignorer. On l'écoute. Mais pour ça, on entre dans un saloon. Le barman lui dit « On sert pas les groins ici. Du balai. » Le pourceau regarde le barman et répond « Je croyais que c'était un abreuvoir, puisqu'on vient d'ici abreuver. Rire, ne pas rire. » Rire. Et voilà le travail, l'ami. Mais couvre ton groin la prochaine fois, hein? C'est de la morve partout. OK? Écoute, j'ai une grande nouvelle. Je n'ai pas trouvé Aleph, mais je sais que je dois faire quand... ce que je dois faire quand ce sera fait. C'est de l'ancienne magie des anciens. Ça s'appelle le transfert d'âme. Réfléchis un peu pour ça. Si je trouve Aleph, j'échange nos âmes. Je garde ce corps pour moi. Je dis adieu à la mort pour toujours. C'est pour ça que je suis là. J'ai besoin d'une branche de l'arbre des âmes pour le faire. Souffrance a été très gentille. Pas vrai, Souffrance? Je lui ai demandé pourquoi il veut être immortel. L'interroger sur le transfert d'âmes, c'est tout pour l'instant.
1. Eh bien, tu veux tout savoir, toi? J'ai presque cru que tu voulais être mon ami. Bon, je vais te le dire, mais je veux d'abord savoir quelque chose. Cette salle aux 5 portraits, où était-ce? Qu'as-tu vu? Interroger sur le transfert d'armes, lui décrire la salle aux 5 portraits, ne rien lui révéler sur la salle aux 5 portraits. J'ai l'air de commencer avec un plush. Il était déjà un peu au début, mais je trouve qu'il a l'air d'être encore plus louche. Interroger sur le transfert d'armes. C'est assez ignoble comme magie, mais ça ira. Il faut lui enfoncer une branche de l'arme des hommes en plein cœur, prononcer une incantation, puis enfermer son âme dans un récipient spécial. Je travaille encore sur les deux dernières étapes, mais je touche au but. Pour ce qui est de la branche, Souffrance a eu la gentillesse de me prêter une branchette Burly. Le décrit la salle, ne rien lui révéler, c'est tout pour l'instant. Il est louche. On révèle rien. Cache bien ton jeu, hein, l'ami? Bon, préviens-moi si tu changes d'avis. Le décrit la salle, c'est tout pour l'instant. On s'en va. C'est sur ça qu'on a placé nos espoirs. Et arrivent les nouveaux combattants. Je veux ressentir encore. Je dois. Mais je suis pas. Wow. Mets-moi la pression dessus. On va échouer autant de fois qu'il faut. Bien. Joe, t'es loin pas mal. Mais. Ça vient t'aider. Message télépathique. Mégoret, attention. Le causeur a détruit une de mes précieuses racines. On l'a vu pour la dernière fois à la fosse. Trouvez-le et tuez-le. Ruth Ball. On va se faire plus embusquer, pareil. Hein? On va aller pour ça, ça maintenant, quoi. Vous aimez la furtivité? Bonne nouvelle, vos ennemis ne peuvent vous détecter vos compagnons. Seule votre furtivité compte. Donc on l'a probablement déjà lu, mais... Pas rien en train de t'attaquer, là, pourquoi tu demandais de me dépêcher, là? Un hors-la-loi capturé, sa bande démantelée. Nos lecteurs peuvent se réjouir quand justice a été faite. Renderos, hors la loi notoire, a été enfin mis au pas par les autorités. Un pourceau qui parle passe la soirée à la lanterne. Une drôle d'expérience pour ces dames de la célèbre maison de tolérance de la lanterne. Il y a quelques jours, un horrible monstre à tête de cochon qui parlait comme un homme s'est présenté à la lanterne et, aussi incroyable que cela puisse paraître à nos lecteurs, y a été accueilli. Les absolutionnistes auront une raison de plus d'éviter cette entre du péché à la réputation sulfureuse. Tough nut. Inquiétude à propos des remparts des mines. Pire nouvelle pour Tough nut. Des mineurs travaillant dans les puits les plus profonds ont découvert un nid de remparts des mines il y a 3 jours à l'heure où nous écrivons ces lignes. La nouvelle ayant été transmise à la Gazette par lait, nous ne savons hélas pas à l'heure actuelle si les mineurs ont résolu le problème ou si la mine est condamnée. Ça, je ne sais pas si c'est des affaires que tu pourrais comme aller sauver la place en allant sur les remparts des mines. Ce sont des tough notes. Allez là. Peut-être. Après Joe, on pourrait voir. Oui, c'est ça. Un cochon monstrueux fait sensation dans un cercle de jeux populaires. Nos lecteurs ne seront sans doute pas surpris des nouvelles sanglantes qui nous parviennent de l'arène de combat illégal connue sous le nom de la fosse. Selon nos sources, un pourceau qui parle peut-être la même créature qui a fait tant de bruit dans d'autres localités, avec une d'une manière atroce plusieurs adversaires dans l'arène. Gaïeb protège les honnêtes gens de ces créatures barbares. C'était pas une bonne idée de faire ça. Bienvenue, Yeb soit loué. Peux-tu m'aider? Je deviens fou à force de devoir rimer. Bon. Proposer de l'aide, pas maintenant. On propose l'aide, monsieur. Il y a de cela quelques temps, un spectre m'a proposé un marché alléchant. Pour mon âme en guise de paiement, il ferait de moi le plus grand poète vivant. Mais je ne savais pas penser à tout.
Je n'avais pas pensé à tout. Ces rimes vont me rendre fou. Ce spectre est toujours là, et mon âme, il détient. Je le tue, je redeviendrai moi-même, et ce n'est pas rien. Vas-tu redevenir toi-même qui ne peut pas parler, madame? À beauté pleine. OK. Fait que c'était urgent de faire ça, là. Il devait vraiment être écœuré de parler en rime. Bon, fait que c'était quoi le nom de la place qu'on disait? Là, tu regardes les nœuds, je pense. Je peux pas aller regarder ça. Tough note. Oui. Sorcière sur la route. Une femme étrange vous attend, comme si elle savait que vous alliez venir. Bon, on l'a déjà vu. Je crois qu'elle veut nous revoir encore. Vos compagnons s'équiperont automatiquement des gilets et des pansements que vous achetez à leur inventaire. Qu'est-ce que tu veux encore? Et oh, tu veux bien aider une sorcière? Hé, passager, j'espérais te revoir un jour. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. En fait, j'ai trouvé ce livre parlant qui te révèle le sens de la vie et qui répond à toutes les questions métaphysiques que les autres humains et toi vous vous posez depuis la nuit des temps. Franchement, pour ma part, je n'ai plus de questions, mais je me suis dit que quelqu'un comme toi le trouverait utile. Je t'en demande à peine 806 $ si ça t'intéresse. Pas l'argent. Fait qu'il y a eu l'option d'acheter, quand on a besoin de la 806, de lui demander de nous faire un prix ou non, merci. Nous faire un prix, j'imagine? Désolée, c'est mon dernier prix. Allez, je sais que tu le veux. Malheureusement pour toi, Lady, on n'a pas de cash. Ouais. Oh, vraiment? Quel dommage. La prochaine fois, peut-être. Eh bien, si tu n'es pas riche, je peux peut-être t'offrir un peu d'amusement. Rien ne fait plus mal que la froide morceau de l'ennui, pas vrai? Et si je te disais la bonne aventure? J'ai retrouvé de vieilles cartes de tarot au fond d'un tiroir. Si tu veux, je peux te donner un aperçu de ce qui t'attend sur le chemin dangereux que tu as choisi de suivre. Et à titre gracieux, en plus. Qu'est-ce que tu en dis? Accepter ou refuser, pour l'instant? Elle est louche. Ah, elle est louche depuis le début. On refuse pour l'instant. Comme tu voudras. Certains préfèrent que leur avenir reste un mystère. C'est sûrement plus drôle comme ça. Mais le fait d'attendre pour le découvrir est insupportable. Viens-moi si tu changes d'avis. Apparemment, c'est une quest. Elle est fucking pressée. Oh, le chat, il est cute! La peinture? Oui! Fait que c'est une quest qu'elle donnerait. Ah! Ok, bon, ben, je Tu as réfléchi? Mon offre est toujours valable, si tu veux que je te lise l'avenir. Accepter, refuser pour l'instant, l'interroger sur le livre. C'est peut-être plus fun, d'abord. L'interroger sur le livre. Oh, il t'intéresse toujours? Il est à toi pour... Ah, non. Pas l'argent. C'est ce que je pensais. Interroger sur le prix. Les prix varient en fonction de l'offre et de la demande. C'est la loi du marché. Désolé. Mais je peux toujours lire ton avenir avec les... dans les tarots. Je dis ça comme ça. C'est peut-être avoir le livre qui donnerait une quest, mais on va accepter. Mm-hmm. Bonne dame, oura oura. Laisse-moi juste battre rapidement les cartes. Mélange frénétique. Bon, allons-y. Choisis une de ces trois cartes. Gauche, milieu, droite. Je vais dire droite, mais pas la gauche. Ah, tu as tiré le fou. Oh, c'est mauvais. Mauvaise carte. Tu ne feras pas de bêtises ailleurs, j'imagine. Maintenant, choisis ta deuxième carte. Je vais encore les battre. Mélange enthousiaste. Bien, laquelle ce sera cette fois? Gauche, milieu, droite. Milieu? Oh.
le persécuteur, ce vieux chameau. Attends. Tu n'as pas traîné du côté de la fosse sans moi, j'espère. Tu es prêt pour la dernière? Je les mélange encore. Mélange excité. Maintenant, choisis. Gauche, milieu, droite. Droite pour pas qu'ils sont tout seuls. Voyons ça. Tu as choisi le jugement. Oh, c'est un mauvais présage. Ah, bien. Tu as tiré une carte très intéressante, mais pour être honnête, je connais strictement rien en matière de tarot. Tu auras probablement un parcours fascinant ou pas. Seul le temps nous le dira. Mais changeons de sujet. Je t'ai vu regarder mon coffre tout à l'heure. Ce n'est pas très discret, hein? On ne pourra pas dire que je ne déborde pas de générosité. Vas-y, regarde. Et comme d'habitude, tu pourras garder ce que tu trouveras dedans. Je crois que ce sera quelque chose de bien. Pas du tout, regarde ton coffre encore. Faut pas quoi dire. Tu as trouvé quelque chose d'utile? J'espère que non, ça ne sera pas drôle. Ça ne serait pas drôle, plutôt. Wow. Désolé, pas de remboursement. Bon, ben c'est triste qu'on peut pas acheter son livre. On aurait-tu été proche en plus? À tes droits, ça aurait 805. On a 805. Fait que d'après moi, elle doit faire exprès de demander une scène de plus, genre. Ok. Ouais. Pour pas que tu puisses l'acheter. Parce que c'est vraiment weird comme chiffre, le 806, ça. Fait que je suis sûr que ça doit faire exprès que c'est comme une affaire, genre, que tu peux pas acheter, genre. Ça, so, ça veut dire quelque chose. Bon, fait qu'on s'en allait à la fosse. Tough note. Pas la fosse, tough note. On va arrêter à Brooktown dans le chemin, en espérant qu'il nous laisse rentrer. On va peut-être rentrer, on peut pas faire grand-chose, je pense que c'est la nuit. Faut leur attendre. Toutes les actions ont des conséquences. Faut attendre, puis on va espérer que... Attendre va pas faire que Tough Nut va mourir. Ils sont pas déjà morts. Good point. On est dans le chemin. Ah, ok, cool. Yellow! Il y a au moins un shérif dans l'ouest qui a assez. De trip pour tenir au hors. Ouais. Tenir tête au hors la loi. Hé, je l'ai l'argent maintenant! Non. Regarde, on est riche, ça demande une scène de plus, fait que tu sais. Personne qu'on pourrait engager ici. Je suis dans de la gâchette encore. T'as même pas le nom. Ouais, c'est ça. On prend l'intérieur par là. Ding ding! Le poisson qui parle. Nous avons de nouvelles armes en stock. Des armes excellentes. Tu peux peut-être en acheter? Il y aurait une machette légendaire. Mille cinquante-six. On est proche, c'est ça le pire. Y a-t-il une banque? On peut-tu checker voir si on peut vendre des ingots? Je peux regarder s'il y a une banque, ouais. Il y a une fois que je rentre, du coup. Mais. C'est pas qu'on a des pépites, seulement. Hein? On aurait juste. Ouf, à la guet. On aurait juste celui d'or qu'on pourrait vendre comme un lingot. Puis ça, on en a besoin. Ben, si on est capable de pogner des légendaires, on n'en a plus besoin, techniquement. Ouais, mais je pense pas que vendre le gold ingot va nous donner assez de cash pour qu'on puisse acheter. Je sais pas, ça dépend si ça vend combien.
pire, on sait qu'il faut venir ici après. Après la quest, on checkera. Ouais, je voulais regarder s'il y avait des affaires que je pouvais peut-être looter dans une maison. Parce qu'on avait probablement tout vidé ici. Quoi, c'était pas interdit d'y aller, ouais. Ouais, c'est juste locké. On était genre plus grand qu'elle à genoux, c'était drôle. Ouais. On est-tu rendu avec 5 os? Je pense peut-être que oui. 7 même, wow. Ouh! Fait que c'était lui qu'on avait poigné. Sneak. Ouais. Oui, le premier de lui. Ouais. Ce serait pas mal utile. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais un gros sauvegarde dans même. Je suis besoin de faire la F5. Oh, y a bonne question. Oui, ici. Peux-tu y parler avec lui? Vous ne comprenez pas ce qu'il dit le fantôme. Bad. Fait qu'il faudrait qu'on se souvienne d'un fantôme ici pour peut-être un autre des personnages. Ouais. Mais le temps manque pas mal. On sait jamais. Il est pas l'air d'avoir de banque. On dirait pas. Non, il n'y a pas le signe de banque. On pourrait vendre Calamity, tu sais. Wow! Calamity. As-tu vendu celui que j'avais? Non, ok. On aurait tout un petit cash, là. La déséquipée, par exemple, lui, le que j'avais. J'aurais peut-être dû garder un des bleus, l'autre bleu que j'avais pour. On m'a un compagnon, ouais. Oh, well. L'argent se rend à ce moment-là pour lui. Je suis une tarte. Ou je sais plus trop quoi à manger. Pas rien à nous voler pour moi. Nice. On va vendre lui. On va garder le légendaire. On est riche. Ouais. À nouveau. Mm-hmm. Notre pourceau, ça va être celui qui va être le plus. Oh, on n'a plus d'armure, ouais. On sera à le remettre. Ouais, c'est ça que j'étais en train de chercher. Je me souvenais qu'il y avait quelque chose que je voulais faire, mais je me souvenais plus c'était quoi. Merci. Notre pourceau, ça va être le plus pauvre de toute la gang. Ouais. En tout cas, pour l'instant. C'est qui a acheté des affaires qui étaient chères. Dans le fond. D'abord, le pourceau, c'est le Sugar Daddy. C'est ça. Jane, on avait toutes les places qu'on a fouillées aussi en plus. Fait qu'on avait eu de l'argent. Et là, on peut plus fouiller parce qu'ils sont déjà fouillés. Non, je ne vais pas parler à Jane.
T'es sûr? Je vais fermer la porte. Bon. D'en face de Jane. Oui. Elle ne peut pas rester dans la porte. Fair enough. On va se refaire quand même un peu d'argent, hein? Pas beaucoup, mais on va se refaire un peu. Tu peux. On peut te rendre à 100, tu sais? Personne ne peut nous voir sortir en regardant la fenêtre dehors. On peut le ramasser, lui? Well. Apparemment, non. C'est une bouteille spéciale. De l'argent quand même, ok? Mais peut-être puis des œufs, puis. J'approuve à 100%. Bon, le magasin général qui vend de la viande, ben pas de la viande, mais. Qui vend de la nourriture, qui a des rats chez eux. Ouais. On pourrait augmenter notre. Aussi le cash du prix que ça coûte, les affaires, avec la prochaine fois? C'est que ça diminue comment ça coûte les affaires, mais ça. Ça augmente pas à comment est-ce qu'on les vend. Ah, si ça diminue comme ça, on va pouvoir au moins se faire. Ouais, acheter les jambes pour moins cher, ouais, mais. On avait déjà pris un, fait que le prochain, il m'en faut trois os pour le faire. C'est vrai. J'imagine que ça dépend si on prend. Qu'on trouve plus de cash dans les chests ou. Pardon. Ouais. Que ça coûte moins cher acheter des affaires. Pau, pau, pau. Ouais, on m'a sou. Y a-tu de l'amour? Donc ça va prendre de mon cash que je suis désespérément de ramasser. Ouais, mais malheureusement pour toi, t'as besoin de cash pour tuer du monde. J'ai besoin de cash pour tuer du monde. T'as besoin de cash pour acheter de l'amour pour tuer du monde. Moi, tu veux y aller mêler, là. De nouveau, toi? Non. Un gentil cactus. En tout cas, pour qu'ils soient rouges, je veux pas leur faire la peine, mais je pense qu'ils l'ont perdu, là, mais... Il y a peut-être des chances, mais on sait jamais, tu sais. Erreur sur les pentes. Une seule chose peut attirer ces morts sort de leur tunnel, la fin. Ça, je pense que c'est les big. Ceux que t'as terriblement peur? Ceux qui sont durs à tuer, ouais. Tu penses qu'on a plus de chances maintenant? Who knows? On va essayer encore. Apparemment avec le poison du poisson, oui. Oh wow! Hugo? T'aurais dû marcher sur le poison pour qu'il se finisse avec toi.
J'aurais dû marcher sur le poison, quoi? Pour qu'ils viennent avec toi. Wow, on une pelle brisée. Am nom 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 nom. Ouais, ouais, c'est bon. Posons immunité. Ah nom 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 nom. C'est là, il était plus empoisonné. Vraiment. Voici ce que tu dois faire, mais... OK. Un chest qui traîne de même... C'est permission? Ouais, c'est ça. Un chest qui traîne de même, tu penses que tu l'avais pas ramassé, Jane, toi, dans... Quand que t'étais moi? Bien réussi ce coup-là. Pour la boss. Grâce au fusil légendaire puis au poison du. C'est pour ça. Fait qu'on sait maintenant qu'ils sont pas mal sensibles au poison. Que le poison marche très bien dessus. Si vous aventurez trop tôt au cœur de l'Ouest, vous risquez de finir dans des endroits pour lesquels vous manquez encore de préparation. À être allé dans un coin avec les terreurs de même. Sans préparation, ouais, on aurait regretté pas mal ça. Molly? Il y a une pelle si jamais on en a besoin. Ça me semble que c'est peut-être une mine qu'on avait eu des zombies, non? Merci. Dans on avait eu pas mal de zombies à pas mal de places, fait que c'est dur à se souvenir. Ouais. C'est quasiment comme moi qui dis, tu sais-tu de la patente, là? Il y a quelque chose qui est arrivé, là. Ouais. Il est fermé ou? Il a l'air ouvert, mais ok. Il est sauvegardé, fait ça dérange pas. On reloadera pas. On va aller faire un tour de... Y'a pas de ça. Minecart. Attention, Jane! J'ai connu peu, mais tasse-toi en face! C'est... Ah ouais, bon. J'ai connu peu, je suis capable de le prendre! Ah, reste devant, genre! Ouais. Avance de quasiment ça. Qu'est-ce que ça veut dire, excuse? On dirait que les compagnons... Quand ils sont plus des les personnages principaux, ils perdent un petit peu de... D'intelligence. IQ. Oh. L'air est... quelque chose là-dedans. Vicié là-dedans. Dans le fond, ce jeu-là, c'est... One man's trash is another man's treasure. Ouais. Parce qu'ils se vendent pas cher, mais à la longue, comme vous voyez, on peut faire quand même pas mal d'argent. Là, on l'a mort, mais ok. En ouvrant la porte, je l'ai tué. Peut-être. Un os caché là. Ben oui, c'est-tu. Wow! Je peux même pas aller le chercher.
Je l'ai vu durant une seconde. Ouais. Mais là, j'ai pogné Jane à la place. Toi, Jane. C'est bon. On serait petit comme elle, on pourrait sûrement aller le chercher, mais. Faire exploser le pilier? Je penserais pas. Je sais qu'on peut faire exploser des affaires, mais un pilier de même, je penserais pas. Non, demandez ça. Directement à côté de l'os. Ça a fait bouger l'os, fait que tant mieux. Ah, nice. Oups. Sorry, Jane. Il attend pas où est-ce que je suis. Ça fait-tu du dommage au friendly? S'ils n'ont pas de protection contre le poison, je suis pas mal sûr que oui. Non! J'ai oublié la baquette dedans! Non! Positif, elle a fait le tour alentour elle-même. Ouais, c'est ça. Elle a été brillante pour une fois. Excuse. Once. On va devoir débarquer de la tournée, là. Ouais, les checker les affaires. Je vais moucher, j'aurais. D'accord. Je voulais pas le pogner, je voulais le fouiller, mais. Are you sure about that? Je sais plus, là. Y'a rien pantoute ici, finalement? À part qu'on sait qu'ils sont comment complètement. Parce qu'il y a plus personne ici qui est abandonné. Y'a même pas de terreur des mines à tuer. C'est vrai. Qu'est-ce que maintenant? Regarde, on va pousser votre un house. Ouais, y'a ça. Yes, ça. Pendant fort les nouvelles, on a essayé de nous attirer en quelque part, puis ça a marché. Ouais. On s'est fait manipuler par les nouvelles. Yep. Puis on a un bug que j'avais eu dans le bêta. On a comme une affaire de sortie qui nous suit tout le temps partout. Ah, ok. C'est vrai. Mais ils l'ont pas rangé. Ou pas assez bien. J'avais eu ça avec des affaires de Vendetta aussi. Fait que là, à un moment donné, j'avais comme une affaire de sortie et une affaire de Vendetta qui me suivait partout. Ok. T'avais quasiment toute la légende sur toi. Oui, c'est ça. Bof. C'est pas. J'ai réussi à l'oublier facilement, genre, pis pas y porter attention. Même une ville décimée par les nombreux dangers de l'Ouest peut s'en remettre avec le temps. Maintenant que t'as plusieurs trucs qui prennent plus ton attention qu'un petit carré à côté de toi. Ouais, c'est ça. Marée de Timothy. On arrive à la. Timothy Vengeance. Ouais, c'est ça. On arrive pendant la nuit, évidemment. Of course.
C'est du jeu Observation Duty, là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit. Jamais vous demander. Qui est un jeu awesome, d'ailleurs. Mm-hmm. Bon, mais moi, il faut vraiment que je vais aux toilettes, fait que je vais vous laisser ici, j'imagine. Alright. On voit des vaches. Un troupeau de vaches. Woo! Il y a un des dos dans nous autres qui s'est mis à chanter. Lol. On fait juste vendre nos affaires probablement, puis après ça on change de place. On restera pas trop longtemps ici. He's coming back. Rebonjour. Rebonjour. Est-ce que vous avez parlé un peu là, pendant que je suis pas là? Bonne question. Est-ce que j'ai parlé un peu? Une fois de temps en temps. Faut que tu parles même pas là quand je dis ça, c'est pas bon signe. C'était pour savoir si me, myself, and I allait répondre à ta question. D'accord. Fait qu'on voulait attendre la journée, je pense, puis. Puis. Rien. Je pensais que t'allais comme commencer à lire. Moi, j'attendais que tu finisses ta phrase avant de lire. T'es en train de parler, je vais pas te couper. Vas-y. Puis qu'on vende nos affaires? Ouais. Alright. Un pourceau en goquette. On ne va jamais me croire, trésor. Un pourceau avec son groin pourri s'est pointé à la lanterne aujourd'hui. On était prêt à décamper, même s'il avait fallu quitter la ville en caleçon. Mais il ne venait pas nous attaquer. Et il parlait. Je te jure, sous le peu d'honneur qu'il me reste. Madame l'a laissé entrer et tout. Ça va faire un gros scandale avant la fin de la semaine. Yes, envoie-moi encore de cette huile parfumée que tu fabriques. C'est bon pour ma peau. Je pensais probablement plus comme à regarder si j'avais des choses à looter. Au lieu d'attendre, parce qu'il est quasiment jour de toute façon, oui, déjà. Ah! T'as-tu vu, il y a plein de vaches? Ouais. Ils sont cool. J'ai fait exprès de regarder les vaches avant de partir. Thank you. Que vous ayez quelque chose à checker, justement. Penses-tu que la clé est plate? Je pense qu'elle est pas très fun, effectivement. Tisk, tisk.
plus de bouffe pour toi. Ouais, puis elle va se réveiller avec comme toutes ses portes ouvertes. Mhm. T'as le moustique à l'intérieur. Tu fouilles déjà, ouais. On a sûrement pas du tout déjà passé avec Jane ici. Pas du tout. On a pas qu'on peut fouiller ça. Oh. Un os qui est là. En haut? Ouais, on voit comme un chêne à travers ouais, le mur. Ouais, un chêne orange. On va se faire voir, non? Le crocheté, là. Ouvre une fenêtre en arrière, ce côté. Ah, c'est une zone interdite, en plus. Hum! C'est juste une lumière là qui faisait ça. Y a-t-il un deuxième étage? Non, d'habitude, il n'y en a pas de faire de mortician. Le toit a l'air assez haut, en effet. Je veux une clé aussi. Ouais, je pense que c'est juste la lumière qui est comme sur le bord du mur. Ça... Ouais, ils nous ont donné plein de faux espoirs. Yep. On m'a mangé ta pomme à cause de ça. Mmh. Ouais, c'est à cause de Mortician que tu perds ta pomme. C'est une clé toi aussi. Tu veux pas avoir de l'argent dans les poches? Apparemment non, c'est trop leur à demander. Bon, toi t'as de l'argent, t'es gentil. Ouais, voler de l'argent au médecin. Puis la bouffe qui traîne sur lui, copeux. Ouais. Toutes ces médecines, même si j'en ai pas besoin. Mm-hmm. On va aller y revendre après. Mm-hmm. Ou juste les mettre en banque. Ou les donner à Jane. Jane, on en a déjà 5, t'es que ma soeur. Ou tu les mets sur Calamity. Jane, Calamity, il y en a 5 aussi, je pense. Ouais. Faisait tout ça devant deux gardes qui gardaient le sanctuaire. On est un pourceau, il voit rien. Ne t'inquiète pas, il n'a pas pu me toucher. Que Gavan me guide, tu paniques pour rien. Oui, un pourceau est venu à la lanterne, mais il n'était pas là en tant que client. Il n'avait pas été empoisonné, ensorcelé ou je ne sais quoi. Alors ça... Toi, la pioche qui est coincée dans ton cul et calme-toi. Je suis plus en sécurité ici que je ne l'étais à la ferme. Et ne m'en va pas encore les clairs. Je gagne plus d'argent ici que je n'en ai jamais gagné à la ferme.
mauvais rêve. Bon, là, déjà. Même pas personne qui dort ici. Wow! Ouais, c'est ça. Maison abandonnée. Elle va nous donner une raison d'en acheter d'autres, j'imagine. On en a déjà en plus aussi. Qu'est-ce que tu fais, Moonwalker, jusqu'ici, toi? Je crois que les gens de Freckle doivent être très fiers en ce moment. D'accord. C'est donc ce rapport qu'elle avait déjà sur elle. Wow. Cheval, pourquoi t'es pas proche d'ici? Ça me tente pas d'aller marcher jusque toi. Comment tu vas le faire? On va les déposer à terre. Mettre dans le chest au pire, à place de déposer à terre? Je peux pas me mettre dans le chest. Ah. Oh. On a besoin de cash, tu sais. Oh, putain, ça chère, me tromper d'affaire. Oui, déposer, j'ai zippé. Oui. Ça me les a tout utilisés à chaque fois. Non, t'en as sauvé un à chaque fois. Ça me les a quasiment tout utilisés de bord à chaque fois. Faut spécifier! Chaque fois que tu fais un run, tu sauvegarderas. Thank you. Et lol. Tout son inventaire. Nos poches. Bon, ben, on va attendre finalement qu'on soit le jour. Best time pour ça. Wow. Tu mérites que je t'ai volé toutes tes horreurs puis je t'ai revendu. Ben oui. Tu me donnes de l'argent, je te boufferai pas, ouais. Non? J'aurais dû commencer par le plus bas pour être sûr qu'elle est pogne encore. T'aurais pu checker aussi sur Jane, c'est quoi que. Si elle a quelque chose à vendre. Mais ça me j'ai pas mis d'armes dessus, hein. Non, ok.
Va vous aussi facile rapprocher la porte, hein? Ah ouais, c'est ça. Elle me permet de faire des échanges rapides. Fait que j'ai juste comme 3 places. J'ai mis des pots, genre, mais elle a pas de... Ah, ok. Je pourrais peut-être plus garder celui-là pour un compagnon, puis vendre le shotgun à la place. Ils vont pouvoir tirer un peu plus. Il y a l'air d'avoir plus d'amour dedans, fait que ça va être pratique, au moins. Je pourrais vendre les pots qui sont pas professionnels. Professionnels. Parfait. Je me souviens pas c'est quoi le mot. Supérieur. Supérieur. À moins que tu n'aies besoin des noms supérieurs. Techniquement, on n'a plus vraiment besoin. Ben, on aurait besoin de celle de bison. Mais non, ben ça me rendu à bleu, c'est supérieur qu'il nous faut, justement. C'est la dernière fois que je te revends. Il n'y a pas du tout ton nom déjà marqué dessus. C'est ça. Tu... On va garder ça aussi pour un compagnon. Oh, c'est pas de l'argent quand même un peu, tu sais? Ouais, ouais. On aurait dit à 700. Remplir les poches un peu. Mm-hmm. On va aller vendre des pansements un peu aussi, j'en ai trop. Faudrait qu'on récupère des crochets aussi. Des crochetets? Crochets. On va vendre juste de même, je pense. On va garder 20 pour que j'en en vende. Ah, on en met 5 sur un nouveau compagnon, puis on en garde 15 sur nous. Mm-hmm. Chasseur de primes habile. Mais t'as pas le nom. 200. Salut, j'ai une proposition à te faire. Je suis le meilleur garde du corps des marais gorées, tu vois. Et c'est ton jour de chance parce que je suis libre. Je ne coûte que 200$. C'est cher. Elle doit être vraiment bonne, par exemple, pour qu'elle coûte 200. Mais... Elle s'appelle Amelia Flores. Si j'ai bien lu. J'ai pas pensé à regarder son nom aussi, ça. Et comment tu pourrais vendre 4 cordes? Que t'ailles un stack plus que 2. Moins que 2, plutôt. T'es pas obligé d'avoir 2 stacks de cordes, on s'en sert pas tant que ça. C'est des stacks de 5. Point. T'as fait encore de la camelote sur toi, je sais pas si. J'imagine qu'on pourrait l'acheter, vu qu'à date on n'a pas l'air d'en trouver des spéciales. Des compagnons de plus. Ah, ok. Je me demandais de quoi tu parlais. La payer, je vais dire. D'engager un garde du corps, patron. On commence par où? J'ai juste 154 de vie? La même chose que Jane. Je n'ai jamais gagné d'argent aussi facilement qu'avec ce dernier combat dans la fosse. Ne s'attendez pas à te voir.
était pas avec moi rendu là, mais ok. Et si tu veux. Je me suis gardé à pied de feu, ouais. Prends son gun à elle, puis échange-le. Oui, madame. Pourquoi vous vous mettez pas ensemble? Parce que quand tu l'ôtais, c'était weird. Il fait un stack dans son inventaire, ouais, puis pas ça. Ouais, c'est son meilleur sort, je pense. On en a juste un sur elle maintenant. Ah, ok. Bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bonne question. Qu'est-ce que tu veux faire? Mettre tes skins dans Jane? J'imagine, c'est peut-être ça. T'aurais aussi des stacks de cordes que tu peux. Ouais, c'est ça que je pensais. De quoi les stacks de cordes? T'en as un stack de 2 puis l'autre de 3. Si t'es mis ensemble, ça va faire un 5. Tu pourrais les déposer dans le truc à terre, puis les récupérer après, ça va faire ton stack. Ou faire ça. On en avait 3 sur elle, je pense, à quelque part. Elle a... C'est vrai qu'elle avait 8. Mais elle avait 8, pourtant, ce serait pas censé. Ah non, c'est ça, elle en avait 8, fait que ça la remplit pas son stack. Mais on va laisser ça de même pour l'instant. Puis si j'en ai besoin, il mm-hmm. ajoute le stack sur elle. Bon. Fait que. T'as laissé le gun à terre. Non, ouais, je l'ai défait. Evan? C'est quoi t'as foutu à terre là-bas? C'était le gun que j'avais foutu à terre, mais je l'ai vu. Ok, ok. Je l'ai refait après. J'avais pas remarqué que ça ôtait pas le truc quand tu jetais quelque chose à terre. Mm-hmm. Bon, fait qu'on s'est fait un peu d'argent. Un petit peu. Pas du tout sur le dos de quelqu'un. Pas du tout. La compagnie Dagger and Bones contrôle Miss Wood, qui doit son nom à son fondateur Glenn Mills. Je pense pas que je peux comme les sneaker, hein? Ok, tu l'as pas eu. Ok. Ta
ta fuck. C'était weird. Ouais, c'est ça. J'essaie de ramasser rapidement les affaires à terre, puis ça a fait sortir, puis que j'étais en train de cliquer sur E, ça m'a fait avancer. Mm-hmm. T'as avancé moins de dynamite, tu sais. Oh, il y en a juste... Ils sont plus là, ça. Oh, j'avais mon gun. Je sais pas si j'étais encore mêlée. C'était drôle. Qu'est-ce que tu fais? Being confused. Ça y va, c'est un reloader de même, ça fait partir le point. Bonne idée. Awesome. Ça, je me suis dit, vu que je l'ai pointé, maintenant, en tout cas, moi personnellement, j'ai porté plus attention. Good point. Wow. T'étais censé continuer ton chemin, toi? On leur fait pas grand dommage. Ils ont quand même 50 de défense. Ça fait tuer par ses amis, ça marche bien. Ça fait tuer par son propre ami, ça marche bien. Ouais, c'est ça. Ben non, en fait, c'est lui qui s'est... MKZ, whatever. Oh, ok. Tellement se faire tuer notre ami. Peut-être un petit peu. Tu me parles pas? Au fleuve, Kevin. Ouais, c'est ça.
D'habitude, un petit commentaire comme oh, on n'a pas ses proches. Mettons. Il était peut-être occupé celui-là. Voilà. Il reste peut-être encore des ennemis, c'est pour ça qu'il n'y a pas peur. Maybe. Quand chez toi, va. Wow. Tu me bloques le chemin. Fait que je pourrais même pas rentrer chez moi parce que tu me bloques le chemin. Tu me dis ça en plus. Tu t'es transformé en ça puis tu me dis de rentrer chez moi. Mm-hmm. Exactement. On va tout prendre là-dedans. On va aller péter le mauvais recette. Pour rien, oh non, il y a une mine d'or. Pour la peine, finalement. Mm-hmm. Même deux! Oh wow. On est riches. Alors, mon pioche. Quoi que j'ai... Il y en a une belle, fait qu'on va laisser elle de Spursal Jane. Lui ici, je pense qu'il y en avait une. Plein de dynamite à terre. On aime ça? Comme toutes les... Eux qui sont en fait exploser, qui en ont laissé, genre. Mm-hmm. Bah, si on en manquait, on en a maintenant, tu sais. Ouais, c'est ça. Man, j'ai tellement d'allergies aujourd'hui, là, j'ai un œil là, qui pique tellement intense, là. Pas vrai? Ouais. As-tu un chat qui s'est couché sur ta face aujourd'hui? Pendant que tu dormais? Pas que je cherche, mais ça se peut. Là, tu vas m'empêcher de péter le mur, là, en allant te cacher, là. Comme comment c'est ça que c'est un pourceau que je m'en viens aider, là? Avec le sketch. Pardon. Merci. Merci. Pardon. Merci. Merci. Et Richard Ross, tu mets là? Ouais, hein? Puis regarde, il aurait peut-être pu voir Jane, puis penser que, ah, oh, finalement, c'est pour Jane, tu sais. Mais elle a pas quoi qu'il reste caché d'abord. Amulette du feu bondissant. Pendant une roulade d'esquive, vous avez une chance modérée de brûler les ennemis que vous touchez, pour vrai. Lol. C'est la seule qui se tient proche de moi, apparemment. Fait qu'il va prendre ma camelotte encore. L'autre n'a pas encore appris qu'il fallait qu'elle me suive. Elle préfère suivre l'autre, apparemment. Que j'ai plus de munitions. Ah, on trouve effectivement un petit peu plus d'argent. Un petit peu. J'ai pété. On est dans une mine, là, fait que ça doit sentir un peu le souffle déjà, au moins. La mine sent pire que nous autres, ça. Faut vraiment pas péter l'affaire là-bas à cause de l'eau. J'ai pas l'air de vouloir se tasser de là. Bon, ça va juste dire qu'il va y avoir une dizaine de mètres d'en face, tu sais.
Comment on va tuer notre ami fidèle? Essaye de le lancer par-dessus, le truc de roche. On va sortir puis on va rentrer. Il y aurait ça aussi. On est juste à côté. Elle est pas grosse, moi, la mine. Hein? Remarque-moi, j'ai ramassé cette dynamite que je suis pas capable d'utiliser. Il est encore là! Imagine, on va voir si on lance la dynamite, si c'est ce truc-là. Fait que non. Wow. Je te vengerai, Mario, c'est promis. Wow. On peut-tu y parler? Non. Essaye de mettre une flaque de poison en dessous. Vraiment, ça le dérange pas. Bon. Ouais, c'est ça. Wouche! Va-t'en! Ah ouais! Va-t'en! Chou. C'est dans quel jeu, des fois, qu'on bougeait les affaires de même avec ton personnage? Je sais qu'à Minecraft, tu peux le faire un peu, mais pas beaucoup. Il y a autre jeu qu'il y avait. C'est peut-être lui. Non, il y a un autre jeu, mais ça, tu peux plus le faire. Mais je me souviens pas. Je peux-tu tout lire l'autre? Bon, ils vont être tous vides. Ouais. Bon, Joe, t'es-tu encore en train de rimer? C'est tellement wrong pour moi parce que quand tu prends ça en anglais, wow. C'est pas la même chose. Non, vraiment pas. On va prendre une pomme, avec le cochon avec la pomme en bouche. Mm-hmm. La calamité. Je suis sûre que la calamité est contente que c'est pas un cheval avec une pomme en bouche. Je suis contente que... Oui. Vas-y. Pas aussi contente que de pouvoir manger la pomme, à détail. Ouais, c'est ça, il serait content de manger la pomme. Les chevaux, ils aiment super gros ça, les pommes. Mm-hmm. Je demande de coyotes. Ici, les coyotes se contentent de n'importe quelle viande. OK, ou partir à cheval. C'est juste des coyotes. Mais on pourrait avoir du loot. On y va. Défend de violence. Plus de gré. Dynamite dans le foyer encore. Best place. Avec de l'herbe. Nom. Mm-hmm. Autant profiter qu'il y avait un buffet, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai pris une gâchée. Awesome. Pas en retard, mais j'en ai pris une. Ça va pas si longtemps que ça, au moins. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir rien d'autre à fouiller. Ça a deux. Ah, on a une tête de Nemo, hein. Même si on la vend pas. Mm-hmm. On a... mm-hmm. Eh bon, chose. Enfin, ça dit le... On a un mercenaire dedans? Le toit, le genre que, qui va être. Apparemment. On dirait la face de... Pas Painful.
Douleur? Non. Souffrance. On peut avoir souffrance avec nous, hein? C'est autre chose. Non. Ça nous fait une gâchette. Mais... Ah, si il parle, peut-être que ça va nous donner son nom, puis on va le voir. Pourquoi personne ne veut voyager avec moi, pauvre petit? tiens, je n'ai jamais rencontré un coin qui parle. Tu t'es débrouillé dans la fosse. C'était impressionnant. Écoute, je te vois ici, j'ai la guéchette qui me démange. Je crois qu'on ferait la paire, tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? On se fait un bout de chemin ensemble pour voir où ça nous mène? Lui expliquer qu'on est complet ou pas, mais... Je vais pas dire pas maintenant, puis... Prendre le segment de l'autre, puis... Ben, il y a juste une étoile, fait que ça dépend. Elle aussi, elle en a juste une. Ça dépend. Tu veux Amelia Flores ou Donald Riviera? On va rester avec elle, vu qu'on l'a payé, j'imagine. Alright. Juste pour être sûr, tu peux checker sur la map si le visuel qu'on a, c'est sur ce doute-là. Wouhou! Nice. Il était 51. Un groupe de grosses brutes bloque la route. Ok. Et toi, ici, c'est le territoire des bootleggers puants. La mangue pourrait être passée sans permission et de, disons, 181. Vous donner l'argent, nous défendre. On se défend, faut que ça. T'as pas froid aux yeux pour quelqu'un qui va bientôt finir 6 pieds sous terre? What the fuck, ça a comme été un... Les ennemis... Le chat qui est en fuite. Et tu l'as jeté dans l'eau. Il était en fuite parce qu'on a tué son patron. Mm-hmm. Et on l'aurait laissé s'enfuir, il aurait fait une vendetta. On a déjà tellement de rencontres random avec le poisson, là. Ça me tente pas d'avoir des vendettas en plus. Good point. Ici. Chose. J'imagine qu'ils font peut-être plus de rencontres aléatoires pour les autres personnages. À cause que justement. Comme moins de moyens de gagner de l'argent vu que t'as déjà fouillé avec les premiers, les places. Peut-être, ouais. Ou c'est juste que le monde n'aime pas la face de ton pourceau. Ou c'est peut-être. Monter la vie de Amelia. Bonne idée. Déjà pas super haute. Comme l'équipe des 150, genre. Yep. Cushy team. Vous ne pouvez faire les poches que des personnes endormies ou assommées.
revenu en un seul morceau. Alors, je ne dois plus rimer avec les mots. Dire à Joe d'essayer un poème grivois. Dire à Joe d'essayer un joli poème. Joli poème. Ah, tu crois? Bon, alors voilà. Il y avait un petit homme très moche. Il n'avait pas sa chaussure gauche. Il l'enleva la droite, la jeta dans une boîte. Et il dit, c'est fini là. Marche à pied. Oh, au nom des esprits. Putain de cru, ça rimait pas. Par les esprits, c'est le prix de spectre à la mort moelle nœud de raclos de chiottes. Bon débarras, mon Dieu. Je ne te remercierai jamais assez. Bon, un service en mérite un autre. Et si je t'accompagnais pour te faire profiter de ma musculature de poète? Oh! Ah! Amélia, tu vas te partir. Mais t'inquiète pas, mon ami, je serai là si tu as des soucis. Je grimpe encore de temps en temps, mais... Bon ami fidèle de lui, je veux l'avoir avec moi. Je peux pas rien mettre dedans. Tu dois le mettre à terre? Ouais. J'espère que je vais pouvoir le reprendre un ami fidèle quand même, même si... J'ai un peu plaisir. Sauvegarder l'auto... reprendre l'autosave, anyway. Bien sûr. La fête est déjà finie? Oh, bon. Je reviens si tu as besoin de moi. T'as besoin de muscles d'un poète, si tu veux que je t'accompagne? Le crit day! Yay! Nice! 385 de vie en plus! Nice! Ooh. En cette fois, je ne suis plus obligée de faire des rimes. Bon, on va... donner ça... Il y a une guitare sur lui. Guitare sans corde. Les boyaux de chat ont disparu, mais les manches est solide. Mais le manche est solide. On peut regarder celui, j'imagine, en attendant. On a 5 houses, on pourrait faire prendre un skill. Qui a dit que la plume était plus forte? On a déjà 5 houses, wow. Je pense qu'on va peut-être mettre lui. Ah, oh, ben oui. Puis après ça, on va continuer à monter ça. Ou ça. Un des deux, je dirais. Yep. À l'OD, on est quand même pas trop pire. Fait que ça peut attendre encore. Mais avoir plus de vie avec mon compagnon, ça pourrait être pratique. Ouais, ouais, non, non, c'est. Ils vont faire plus de dégâts aussi en plus. On aime ça, c'est pratique. Ouais, c'est ça. 495 kits de vie! Holy fuck! Petit kit. On aime ça! Génial, t'es à 198. Not too bad. Ouais, c'est sûr. Elle aussi, elle a monté un peu. Donc, on va arrêter déjà là. On va essayer. Il reste 2 minutes là. Ouais. Fait que on va continuer la main story au prochain stream. On va aller vendre des choses avant, pardon. Parce que moi, ça va être pas mal plein en Camelot pis tout. Fait que c'est ça. Je pense pas faire de stream en soirée. Parce que je fais le pas encore super bien aujourd'hui. Mais
On se croise les doigts qu'on va être de retour demain avec plus de Wild West. Yep. Ok. Merci aux personnes qui sont venues. Thank you for coming. Et à la prochaine. See you next time.